Raphaël. Coucou maman. Coucou tout le monde. Coucou tout le monde. Mais qu'est-ce que tu fais de beau là? Je joue au pompier. Tu joues au pompier? Oui. Il a l'air sympa ton camion. Dis donc Raphaël, j'ai autre chose à te proposer. Et si on construisait comme une cabane, mais je dirais plutôt une caserne des pompiers? Oui. 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 On fait ça dans le salon? Oui. Alors, ça va être comme une cabane, on va dire que c'est une caserne de pompiers. Donc, on va mettre des véhicules, on va mettre des choses de pompiers. On pourra mettre celui-là aussi. Bien sûr. Donc, si tu es d'accord, je vais aller te chercher des cartons. Parce qu'en fait, on va utiliser des cartons pour faire la caserne, d'accord? Oui. Donc, on va utiliser des cartons, des couvertures, tout ce qu'on trouve un petit peu pour te fabriquer une caserne de pompiers. Oui. Ça marche? Oui. On fait ça? Bon, alors, je vais chercher tous les cartons. Ne bouge pas d'ici. Et voilà Raphaël, dis donc t'as beaucoup de cartons là. Oui. Non mais regardez tout ce qu'on a pris. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Et attends, tu dis 11 mais en fait il y en a qui sont collés ensemble, hein, donc ça fait un peu plus. Donc on a pris tous ces cartons pour essayer de te fabriquer une caserne. Alors est-ce que tu sais comment tu vas faire ça? Oui, je vais prendre tout ce que j'ai besoin. Tu vas tout prendre? Plus encore, tu vas prendre encore d'autres choses? Oui. Tu vas prendre quoi? Je vais prendre les chaises. Carrément. Et tous les coussins de toi. Ah, mes coussins, ouais. Je vais aussi prendre la box. Ah bon? Oui. Oui, bon, déjà il faut faire les murs. Hein. Il va falloir faire la caserne. Alors faire moi les je murs. Sais comment on va faire les murs. Avec les cartons, ça va faire un mur. D'accord. Donc après, il faut te faire aussi une entrée, parce que si t'es un pompier, il faut sortir d'un coup. S'il y a une urgence, il va falloir sortir vite. Donc il va falloir faire une porte ou une entrée en tout cas. Donc on j'ai une idée comment on va faire. Oh là là, les idées de Raphaël. On va faire toujours avec les cartons. D'accord, donc t'as besoin encore d'autres choses, alors c'est ça? Oui. Alors on te laisse 2 minutes et on revient vers toi. Regardez, là, c'est l'entrée. Ah voilà, t'as utilisé 2 chaises pour faire l'entrée. Donc ensuite, comment tu vas faire? Il va falloir mettre des cartons peut-être sur les moi, chaises. Moi, je sais comment faire. En grand-tout, ça sert à ça. Oui, on va le mettre, mais il faut le mettre d'abord. Il faut le mettre sur quelque chose. Donc d'abord, il faut te mettre les cartons. Donc utilise 2 cartons pour chaque chaise. Sur chaque chaise. Et après, tu peux mettre ton pont. Un petit peu pour l'instant. Donc, on a fait une grande porte. Peut-être qu'elle est un peu trop grande, je sais pas. Et donc, on a fait les murs. Dis donc, elle est grande ta cabane. Raphaël, elle est grande ta cabane. Coucou. Alors, Raphaël, est-ce qu'il nous manquerait pas quelque chose sur ta cabane? Oui. Qu'est-ce qui te manque? Il manque le toit. Le toit, ouais. Donc là, on a fait tous les murs. Donc ça va plutôt bien et il manque plus que le toit. Donc il nous faut quelque chose d'assez grand pour couvrir tout ça. Donc j'ai bien eu une idée. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? On peut mettre aussi une chambre. Ah, carrément une chambre dans une caserne? La chambre, c'est là. S'il n'y a pas d'incendie, on dort. S'il y a un incendie, hop, on descend la perche. Ah. Bah là, je trouverai pas de perche là. Par contre, je vais te trouver un autre moyen, un autre véhicule pour sortir si au cas où il y a un incendie. Je vais te chercher ça. Et puis toi, on va commencer plutôt à aménager, on va dire, ta cabane. Donc on va chercher des choses pour que ce soit confortable. Ouais. Et puis après, on trouvera le toit. On mettra le toit. Et ensuite, je pense que ton frère viendra découvrir ta cabane. Ok? On fait ça? Allez, on aménage ta cabane. Et voilà, on a l'air d'avoir fini la cabane. Regardez, il y a un toit, il y a tout ce qu'il faut et elle est immense. Raphaël, t'es dans la cabane? Ah oui, c'est super. Je vois que t'as mis des petits véhicules là. Il y a des camions? Oui. Oui, il y en a un gros. Ah, il y en a d'autres. Alors c'est quoi comme véhicule? Un camion d'échelle et une ambulance. Ouais, et là? Un camion de là où il y avait les ficelles, là. Oh, c'est comment que ça s'appelle? Je sais plus comment ça s'appelle. D'accord, et les autres? Un camion d'échelle. Oui, et l'autre? Et un camion grue. Un camion grue. Ok, d'accord. Et même il y a un crochet. Bah oui, forcément.
D'accord. Et alors, à l'intérieur de ta cabane, tu nous fais visiter? Oui? Regardez. On y va. Regardez. On a tout ce qu'il faut. On a même la box, les figurines. On a le skate, le tapis, là. Et voilà. Raphaël, s'il y a une intervention, si l'alarme elle sonne, tu sors comment vite en fond, en vitesse de ta caserne, tu nous montres? Ah oui, génial! Trop trop bien, d'accord, merci pour la démonstration. Ah oui, t'es prêt à sortir. Ok. Elle a l'air sympa ta caserne. Ça a l'air chouette dedans. Bon, bah on va voir comment Hugo il trouve ça. D'accord? Oui. Oui, on attend Hugo et on Oui. verra si c'est assez solide, surtout. Ah là, je crois. Ah, l'intervention! Une intervention. Allez. D'accord, il est parti. Ok, ben alors on va voir si c'est assez solide après pour Hugo ou pas. Oh là là! Ça va, tu t'es pas fait bobo? D'accord, ça t'est fait exprès. D'accord. Bon, c'était ta danse de la victoire de la cabane? Oui? Bon. Je crois que ton frère est réveillé. Donc, du coup, On va nous faire visiter la caserne. on va te faire visiter la caserne? Oui, c'est une caserne. Des camions. On a deux autres camions. On a de la box, les figurines, voilà. Aussi, on a des livres. On a des. Aussi, on a des petits Eh ben, jouets. donne-lui le petit jouet. Là, des petits jouets Tiens, pour donne-lui. bébé. Moi aussi, je viens. Oh là là, il y a des petits jouets, c'est trop bien. Vous pouvez rentrer. Oh, on peut venir à plusieurs On peut dans la aller dans plusieurs. Même les mamans ont le droit. Même les mamans et les papas, ils ont droit? Oui. Oui? Et t'as vu ça, Hugo? Il y a même un petit ballon. C'est pour le Waouh! foot. Ah. Ouais, faudrait pas que ça s'écroule alors que nous on est dessus. On est dessous, oh. J'ai pas envie que ça s'écroule. Raphaël, arrête! C'est en train de tomber! Ah, je l'ai gagné là. Ouais. Je suis Papa. pas sûre que ce soit super, hein. Bon, là on a des livres. Hugo, c'est bien cette cabane? Elle te plaît? De la lumière dans la cabane? Oui, On a ça, nous? Elle vous plaît la cabane? Oui, c'est chouette, c'est bien Hugo. Alors, il faut pas le déranger Hugo, il a je crois que la cabane elle est adoptée. Vous allez dormir dedans alors? Oui? C'est bon? Vous dormez ici? Tu dors ici Raphaël? Oui? Oui, Hugo aussi veut dormir là. Hugo aussi. Bon. Mais quand il va faire nuit, on allume les lumières là. Oui, d'accord, Et c'est dans la logique. nuit, ça va faire très beau. Et on a des jouets là, on a des jouets Oui, mais la nuit c'est pour dormir. Pas pour jouer. Si, on a des jouets. Ah, d'accord. Des petits Bon. jouets pour Hugo. D'accord. Bon, allez, en attendant, on va dire au revoir à tout le monde. Oui, levez les pouces bleus et abonnez-vous pour me faire plaisir. Au revoir tout Au revoir tout le monde. Au revoir Hugo. Au revoir. Au revoir Hugo. Plein de bisous.